Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA en 1.32 pour dupliquer les lowriders. J'ai trouvé ce glitch sur la chaîne de Tuto Facile France, je mettrai sa chaîne dans la description. Donc pour commencer, il vous faudra un garage rempli avec le lowrider que vous voulez dedans et au moins un Karine Rebelle pour pouvoir le remplacer par la suite. Donc là vous sortez avec le lowrider que vous voulez dupliquer. Là, vous allez l'exploser. Donc voilà, là je vais appeler Lester pour enlever les flics parce que j'ai eu les flics en l'explosant. Vous aurez aussi besoin d'un ami, donc dans la session, vous pouvez le faire en session sur invitation, c'est même mieux. Donc là, j'enlève les flics. Là, je vais appeler mon mécano. Je vais me faire livrer une autre voiture d'un autre garage en fait. Donc pour ma part, je vais appeler un Karine Rebelle qui se trouve dans un autre garage. Vous l'appelez, vous le faites venir, voilà. Donc une fois que mon Karine Rebelle est arrivé, je monte dedans. Là, vous rentrez dans votre garage, vous validez le message d'erreur. Et là, vous allez remplacer donc la lowrider que vous venez de détruire. Donc voilà, là vous ressortez de votre garage à pied. Votre ami devra lancer une mission de Siméon ou Gérald et rester donc dans le menu de mission en fait, sans rien faire, il aura juste à attendre. Vous, une fois que vous serez sorti de votre garage, vous allez voler un véhicule. Vous allez vous approcher de votre garage, voilà. Donc là, mon pote rentre dans la mission. Et là, une fois que le message d'erreur vous fait rond, pour faire retour, vous allez sur PS, parti. Et vous allez rejoindre votre ami. Si vous pouvez pas, comme là ça avait bugué, vous faites afficher le profil de votre ami et vous allez, comme moi, jeu en cours, rejoindre la session. Et là vous accélérez. Dès que vous revenez au jeu, vous accélérez, vous attendez 10 secondes une fois que le message d'erreur apparaît. Et une fois ces 10 secondes passées, vous allez spammer la touche croix. Donc là j'avais foiré la manip, mais ça a pas fait bugger le truc. Donc là, je mets pour rejoindre mon pote, rejoindre la session. J'accélère, le message d'erreur apparaît, j'attends 10 secondes. Et une fois les 10 secondes passées, je spamme la touche croix. Et normalement, vous allez réapparaître devant votre garage à pied. Donc voilà, là je réapparais devant mon garage à pied. Là ce que je vais faire maintenant, je vais appeler la mutuelle. Je vais faire réparer mon véhicule. Et là je vais lancer une mission en faisant start. Je vais aller dans les activités créées par Rockstar. Je vais prendre la première mission, vol de Titan. Vous la lancez et dès que vous atterrissez dans le menu, vous la quittez rapidement. Donc la mission créée par Rockstar, vol de Titan. Et dès que vous êtes dedans, vous quittez direct, rond-croix. Là, vous allez réapparaître avec votre voiture à côté.
Vous allez monter dedans. Vous allez aller devant votre garage, il y aura un message d'erreur, mais vous touchez à rien, il va se valider tout seul. Normalement, la voiture rentrera toute seule. Donc là, voilà, ça s'est validé tout seul, la voiture rentre dans le garage. Et là, vous remplacez donc un Karine rebelle. Vous attendez par contre quelques secondes avant de le remplacer, hein. Remplacez-le pas tout de suite. Vous attendez quelques secondes, vous remplacez le Karine rebelle, vous ressortez à pied de votre garage. Et là, si vous voyez bien, elle est là, toujours là, la voiture, mais en invisible. Alors au début, par contre, je trouvais pas, parce que c'est pas la même manip que sur Tuto Facile France. Je me suis servi de la fin de manip d'un autre glitch, en fait. Donc là, vous restez à côté de la voiture invisible. Vous allez faire en sorte d'avoir des étoiles et de vous faire tuer par les flics à côté de la voiture invisible. Et une fois cela fait, que vous serez fait tuer à côté de votre voiture invisible, la voiture sera mise en fourrière et il faudra que votre pote aille la chercher pour vous et que vous la rentrez dans votre garage aussi. Donc là j'ai 2 étoiles, 3 étoiles, pardon. Donc là voilà, je suis debout sur la voiture invisible. J'ai mon pote qui a même quitté la mission, qui m'a rejoint. Donc là voilà, je me fais tuer, hop. Je réapparais et regardez, votre véhicule a été confisqué par la police, il est à la fourrière donc. Je rejoins mon pote. Mettez bien votre accès véhicule sur tout le monde aussi. Là je monte avec mon pote pour lui mettre un point où est ma voiture. Voilà. Et là, il a plus qu'à aller la chercher et à vous la ramener. Donc là, je vous ai mis le passage en accéléré pour déjà que la vidéo est un peu longue, pour que ça soit un peu moins long. Donc là, voilà, mon pote est en train d'arriver. Voilà. Donc là, je récupère la voiture, je la rentre dans le garage. Vous validez le message d'erreur. Et là, vous remplacez à nouveau un Karine rebelle. Et voilà, ma duplication est faite. Alors par contre, vérifiez bien les 2 voitures OLS. Normalement, les 2 véhicules sont assurés, mais il y en a une que vous pourrez vendre moins cher. Vendez-la moins cher, la plus chère, c'est l'original. Il vaut mieux garder l'original pour faire les duplications. Donc, voilà tout. Je vais vous montrer OLS, celle-là, l'original, je la vends 600 000 et la duplication, je la vends 417 000. Celle-là, c'est bien la duplication, regardez, 415 000. Hop, je la vends et je vais vous prouver que y a toujours l'autre dans mon garage. Voilà. Et je vous souhaite bon jeu, bon glitch. Je vous invite à vous abonner, à liker et à plus tout le monde.